Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lego, les briques en action. Nous restons dans l'univers de Star Wars avec le set 75-342, le tank de combat de la République, riche de 262 pièces et 6 mini-figurines, dont celle, et pas des moindres, de Mace Windu, une figurine très très rare à avoir chez Lego. Alors ce set, je l'ai acheté il y a quand même déjà plusieurs mois au prix de 41,99 €. Mais je pense qu'il est encore disponible en grande surface, bien qu'il ne soit plus présent sur le site officiel de Lego. Voilà, c'est une petite boîte, hein, elle n'est pas très très grande. Voilà ce qu'il y a au dos. Hein. Alors à l'intérieur. Au niveau des bonus, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ce qu'on peut voir, vous avez des espèces de petits trous qu'on peut insérer à l'intérieur. Vous pouvez tirer des lasers au niveau des canons. Et vous avez aussi à l'avant une espèce de socle qui s'ouvre et on peut mettre des personnages à l'intérieur. Idem pour l'arrière. Où vous pouvez mettre aussi des clones. Voilà. Pas très très difficile à faire par contre. Enfin, alors, je sais pas si c'est le cas pour les autres sets, mais en tout cas celui-ci avait un défaut au niveau de la conception. C'est que les canons ne tiennent pas en fait. Ils sont tellement lourds qu'ils tombent. Donc si vous voulez faut les maintenir avec les mains parce que sinon c'est impossible. Alors je sais pas si c'est un défaut de conception, mais bon, c'est pas, j'avoue, c'est pas très très agréable. Mais bon, l'engin lui-même est plutôt pas mal. Il reste quand même assez conforme au film La Guerre des Clones. Et vous avez quand même aussi pas mal de figurines. Ça, c'est toujours un bon point. Hein. Voilà, et comme d'habitude, vous avez le livret d'assemblage. Alors en ce qui concerne les autocollants, je crois qu'il y en a à peu près 11, je crois. Ouais, il y en a 11 qui sont à placer. Donc c'est pas très très difficile. Et je vais vous montrer le résultat final. Voilà. Comme je vous disais, hein, personnages de Mace Windu, hein, sont vraiment très très bien faits. Hein. Des droïdes, hein, on n'a jamais assez de droïdes. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez une soute. Hein, vous pouvez soit mettre un personnage, soit le sortir. Hein. Donc là, ça s'ouvre. Voilà. On peut y insérer un personnage. Voilà. Et vous avez à l'arrière la soute aussi qui s'ouvre. Voilà. On peut placer là encore un personnage. Et comme je vous disais, au niveau de la conception, ben voilà, c'est. Les canons ne tiennent pas. Voilà. Il y a un problème d'équilibre. Et on n'arrive pas à les maintenir. C'est vraiment dommage. Sinon, en soi, le véhicule est plutôt. Il est très très beau. Voilà, une très très belle facture. Et les figurines sont plutôt pas mal. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tank de combat de la République inspiré du film La Guerre des Clones. Quant à moi, je vous dis à une prochaine aventure de Lego. Sûrement Star Wars, je pense encore à nouveau. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Au revoir.